m'inspire pas plus confiance que la dernière fois, elle. Surtout quand j'entends des bruits comme ça. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, on s'est arrêté juste devant cette porte, à l'entrée du grenier. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qu'il y a en haut de ce grenier. Tout simplement. Alors si vous regardez ce genre de vidéo, c'est parce que je suppose que vous aimez vous faire peur, tout comme moi. Donc je vais faire comme la dernière fois. Surtout, n'hésitez pas à monter le casque un peu. On se met bien dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Let's go. Il y avait déjà ce bruitage la dernière fois. Ok, très bien. On se met dans le bain. On y va. On y va tranquillement. Eh oh. Y'a quelqu'un? Oh eh. C'est moi. C'est quoi ça, putain? Ça commence déjà bien. Ça co... Merde. Ok, ça commence déjà bien. Ok, je vais allumer la lumière. Ah, bah voilà un peu de lumière. Il y avait énormément de virilité dans mon cri. J'ai été un petit peu surpris. Je crois que c'était une araignée. Oh putain, c'était quoi ça? Je crois que c'était une araignée. On va y aller tranquillement, vous inquiétez pas, ça... Ça va le faire. Bonsoir. Ce n'est que moi. Seigneur! Putain, mais quelle poule mouillée que je suis, moi! Ah, bah voilà, impeccable. Votre partie a été sauvegardée. Ça, c'est pas mal. Lumière, s'il vous plaît. Ok. On va y aller tranquillement. Oh. Ouh, il y a eu un truc bizarre quand j'allumais là, vous avez vu? Oh, c'est vachement chelou. Hein. On va rentrer là. Bonsoir. Je vais éteindre. Merde! Je vais éteindre ma lampe torche. Putain, comment c'est glauque d'or. Oh, une clé. Merci, je prends. Très bien, très bien. Des allumettes, je prends. C'est quoi ça? Un emblème. Je prends. Très bien. Ouh. Des petites baisses de tension ici. Il va falloir appeler l'électricien. Ok. Je vais aller en face. Très bien. C'est parfait. Lumière allumée, lumière éteinte, ok. Putain, il n'y a pas de lumière ici. Ok. Je suis vachement concentré là quand je joue, c'est un truc de fou. Oh. Encore un emblème. Il va sûrement falloir les poser quelque part. Non. Bon d'accord, peut-être que je fais fausse route. Hein. Mais en tout cas, il y a un... Putain, il y a encore cette petite voix qui me parle là. Oh! Je vais essayer d'économiser les piles de ma lampe torche. Je ferai un petit truc au montage, comme d'habitude, pour que vous puissiez voir clair. Ah d'accord. C'est pas rassurant tous ces bruits. Hein. Encore un emblème ici, une lettre. Mon travail avance toujours lentement, trop lentement. Si je ne progresse pas rapidement, je mourrai avant de découvrir si ces vieilles histoires sont vraies. Ok, très bien. J'imagine que... Appuyez sur E. D'accord. Ça c'était sûr par contre. Ah d'accord, faut les ramasser comme ça. D'accord, ok. Faut les ramasser un par un en fait. Donc certainement... Putain, tu te détends, toi. Je vous dis, il va y avoir une coupure d'électricité. Ça va faire... Ça va faire comme dans PinView Drive. Y a pas un truc qui me donnera un indice ici de... Parce que je suppose qu'il faut les mettre dans un ordre précis. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai une clé.
On va tout simplement continuer par là. J'ai pas encore été. Ah, voilà. Ça, ça me plaît. Une petite lumière. Bougie. Voilà, c'est un peu plus chaleureux déjà. Hein? Vous trouvez pas quand même? C'est quand même pas trop mal ici. Putain, mais il y a grave des baisses de... Foutu les boules, lui! Et ça, j'ai vu ça dans un film. Je sais pas si vous avez déjà vu le film. C'est avec le clown. C'est un film de Stephen King. Le film, il s'appelle Ça, où il est revenu. Et en fait, pendant un moment, il y a une petite fille qui est en train de se brosser les dents dans sa salle de bain. Il y a un ballon qui gonfle. Il explose et en fait, le ballon, il était plein de sang, quoi. Donc, ok, très bien. Je suis venu ici, c'est parfait. J'ai récupéré une clé, j'ai récupéré un emblème. On va donc continuer. Certainement par ici. Vous avez vu? Vous avez vu là-bas là? Hein? Le pantin. Elle a changé de place. Merde. Putain de merde, le piano qui se met en route tout seul. Oh tiens, une guitare. Excellent. Putain, les yeux qu'elle a, mon vieux. Oh le délire. Une guitare. Merde, il y a encore eu la voix. Un emblème. Donne... Ah oui, il faut d'abord que j'aille poser l'autre avant d'en prendre un. Oui, oui. Ok, donc du coup, il en manque un. C'est l'autre qui est dans la chambre avec le pantin. Parfait. Putain, elle va me sauter dessus, elle, tout à l'heure. Ça va me faire bizarre, mon vieux. Ok, maintenant, je vais aller poser... Je vais aller poser l'emblème. Ok, tranquille. C'est un truc de fou comment je suis concentré quand je joue à ça. Voilà. Et maintenant, il en manque, non? Attends. C'est délire. Attends. Est-ce qu'il y aurait pas un indice quelque part pour me dire... Bon, si je galère trop comme d'hab, hein, je ferai des coupures de toute façon. Ok, bon, sinon c'est pas grave. J'ai encore une clé. Je suppose que... Bah non. Non, je suis venu par ici. Par ici, j'y ai été. Ah! C'est quoi ça? Putain de merde! Désolé! Merde! Putain! Oh le bâtard! Oh l'en... Oh le salopard va! Putain, je suis poli! Mais la crise cardiaque, mon vieux! Ah, ce délire! Comment qu'il m'a foutu les boules? Mais je regardais en plus, il me paraissait bizarre! En fait, je voulais m'approcher et vous dire... Mais il a une tête bizarre, lui! Je sais pas, il est en train de sourire à moitié, là. Putain, c'est allumé, là! Je vais mourir, moi, mon vieux, sur le jeu, là. Eh, n'empêche, je reverrai ma gueule quand je montrerai la vidéo, mais... J'ai dû tirer la tronche, vite fait. Tant de virilité, quand je joue à ça. Putain, ça y est, maintenant, un pauvre bruit de piano, ça va me faire bader, quoi. S'il te plaît. Vas-y, lui, il va me faire la même chose. Comment qu'il est... comment qu'ils lui ont mis une tête de vénère, mon vieux. Ce délire. Elle me saute dessus, je suis une crise cardiaque, mon vieux. Direct. Ah! Un triangle. C'est quoi ce...
Oh putain, la voix, j'aime pas ça. Un triangle, un carré. Ouais, mais d'accord. Je veux bien. En quoi ça va m'aider? Un triangle. Donc le triangle, il est là, oui, effectivement. Le carré, il est là-bas. Attends. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres tableaux comme ça. Un rond. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont, les tableaux, là? Je vais voir si c'est les mêmes aussi. Il y a un monsieur là-bas, un petit gamin. Ok, trois personnes. Ah oui, effectivement, c'est pas les mêmes. Ce coup-là, il y a juste le petit gamin, une personne. J'ai compris. En fait, va falloir... Ta gueule! En fait, va falloir les mettre dans l'ordre. Va falloir les mettre dans l'ordre. Parce que là, par exemple, il y a... ok, là, il n'y a personne. Donc, c'est le losange en premier. Je stresse mon vieux de pantin derrière, là. Losange en premier. Ensuite, ce serait donc le triangle. Putain. Triangle. Ah bah mon vieux, bah je crois bien que j'ai trouvé l'ordre du premier coup sans chercher à comprendre les autres. Bon bah des fois le hasard fait bien les choses. Y'a quelqu'un là-dedans? Je vais encore faire une putain de crise cardiaque moi. Les bites de ma lampe torche en hésitant à avancer comme ça. Des piles. Oh, des piles. Oh, les mannequins de Pinview Drive, ils sont encore là. Putain, je m'en souviens, ils me faisaient flipper ces mannequins des fois. D'ailleurs, il y avait des trucs des fois avec les mannequins. Peut-être qu'ils ont recommencé, peut-être pas. Tiens, il y a une télé là. Attends, déjà j'ai une clé sur moi. Ok. Ok, je suis venu récupérer un aspirateur. Je suis venu récupérer des piles. Ouais, yes. Excellent. Ok, sauvegarde. C'est glauque par là, mon vieux. Ouais, le couloir de la mort, tu sais, t'as pas envie d'avancer, tu vois ce que je veux dire? Rallume-toi. Rallume-toi. Toi aussi. Mon vieux, par là. Elle me fait flipper, elle, avec sa tête là. Et là, là, j'imagine la scène. J'imagine la scène. Là, il y a une dame blanche qui arrive en courant là vers moi comme ça là. Ou comment je pète un câble, mon vieux. Je crois bien que je fais une crise cardiaque en direct, mon vieux. Lumière. Ouais, ça fait plaisir quand il y a un peu de lumière. Ça économise les piles. Putain, elle est encore là, elle. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi ce machin monstrueux qui va me sauter sur la gueule? Eh, je sens qu'à cette allure, je vais mettre 15 ans pour finir le jeu, moi. Je vais mettre 15 ans pour finir le jeu. Ok, je préfère m'y attendre. Il va me sauter dessus. Ou ils veulent me faire croire qu'il va me sauter dessus. Et en fait, c'est un autre machin qui va me sauter dessus. Il va me faire un truc bizarre si je m'approche. Je m'y attends. Non? Oh non. Oh ben non. Très bien. Non, rallume. Ok. Oh là 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 là.
Allume-moi ça, mon vieux. Tu regardes là ? Ouais, je rentre pas là-dedans, moi. Je vais d'abord voir ce qui se passe ici. Je vais d'abord voir ici. Ok, c'est fermé. Non, allume. Putain, comment il est bizarre, mon vieux. Ouais, j'irai voir tout à l'heure aussi. D'abord, je vais voir ce qui se passe ici. Non, allume. Ces grandes pièces. Ces grandes pièces, mon vieux. Bon, je vais d'abord. Putain, puis il y en a encore une ici. Il y en a partout, mon vieux. Bon, on dit toujours la première intuition est la bonne. Alors, on dit aussi il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc je vais d'abord voir ici. Ah bah c'est fermé. Je vais d'abord voir ici. Soir. Attends. Tu veux me la faire à l'envers là? Une grande pièce comme ça, entourée de mannequins, avec un coffre et une boîte d'allumettes sur le coffre. Je vais la prendre, il va m'arriver un truc de malade. Je suis obligé. Non? Oh non. Oh non. Ok, d'accord. On va voir dans une autre pièce. On va là à la première intuition. Putain, la... Merde! J'avais plus de piles. Putain, la première intuition, mon vieux. Elle me plaît pas des masses. Elle me plaît pas des masses, la première intuition. Oh là là, comment c'est glauque ici. Allume, mon vieux. Je vais allumer toutes les bougies que je vois. Oh, regardez là! Putain, elle est là, elle. Regardez là, cette saloperie. Puis j'ai l'impression, mon vieux, qu'elle fait la gueule comparé ou alors qu'elle est un peu plus énervée, non? C'est fermé. Très bien. Ok. Bon. Très bien. Ici, d'accord. Peut-être qu'il faudra une clé. Je vais aller là-bas. J'avais dit ici. À la tête de l'ours, mon vieux. Oh, le délire. Oh, comment c'est glauque ici. J'ai l'impression qu'Arthur a ramené de nombreux souvenirs de ses voyages aux quatre coins du globe. Que comptait-il en faire? Ben ouais, je sais pas, mais franchement... Je sais pas. On dirait qu'il y a rien dans cette pièce. Sûrement y avoir un truc à faire. Bon, on va aller voir l'autre. On sait jamais. Espèce de salopard, va. Ah ouais, c'est une salle avec des dinosaures et tout. Ah ouais, ok, d'accord. Non, franchement, tranquille, celui-là. Tranquillement. Par contre, là, il y a une clé. Ça, je prends. Mon travail avance bien ces derniers jours. Il me manque simplement quelques composants, mais je sais où les trouver. Ok. Quelle créature étrange. Je n'en avais jamais entendu parler. Tu m'étonnes. On se casse de là parce que j'ai récupéré une clé. Donc je sais. Je pense que c'est la porte où il y a le pantin. Ou alors c'est celle-là. C'est celle-là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Dis donc, il y en a des machins ici. Oh, des piles. Je prends. Ok, très bien. Ça fait quoi si j'appuie là? Ça éteint. Ouais, ça a l'air vachement space par là. Oh putain. Des piles.
Merde, je suis à fond. Ok, là honnêtement, je suis perdu. Ok, bon bah là pour le coup, j'étais vraiment en train de galérer. J'ai été voir une petite solution sur internet. Et en fait, il se trouve que les masques sont mal rangés. En fait, faut les ranger par rapport à leur ombre. Vous voyez, et franchement, putain, faut vraiment avoir l'œil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez, on en voit un, il y en a un là-bas. Il y en a un là. Il y en a un là. Voilà, fallait avoir l'œil. Et en fait, du coup, bah, faut les ranger par rapport à leur ombre. Donc, c'est-à-dire que celui-là irait plus ici, du coup. Hop. Celui-là irait plus comme ça. Et celui-là irait donc là. Voilà, voilà. Fallait le savoir. Merci, Google. Ah, yes. Une clé. Ok. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ma lampe et je vais prendre les piles. Et je me casse de là. Merde, il y a encore la petite voix qui me suit partout là. On va aller là. Je pense que ça doit être la porte. Avec le pantin. Putain, si le drap il se soulève et qu'il m'attrape d'un coup, mon vieux, je fais une crise cardiaque. Ok, c'est là. Votre partie a été sauvegardée. Ouh. Vous voyez l'ombre là-bas? Elle est plus là. Elle a disparu dès que j'ai allumé. Je suis pas fou, il y a une ombre là-bas. Et bah vous savez quoi? Je vais pas aller la voir cette ombre. Je vais revenir là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On ira dire bonjour à notre petite ombre dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous voulez la suite de cette aventure. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye.